À cause de la Coupe du Monde, la diffusion de Ici Tout Commence est particulièrement bouleversée ces dernières semaines. Si la première chaîne a tout simplement pris la décision de suspendre le temps de la compétition mondiale, la diffusion de demain nous appartient. Concernant l'autre feuilleton de la Une, il est diffusé en fonction des matchs programmés ou non sur la même case horaire. Alors qu'il n'y aura aucun match de diffusé sur TF1 mercredi 17 décembre 2022, les téléspectateurs vont avoir la belle surprise de pouvoir visionner deux épisodes inédits de leur série. Le premier sera diffusé à l'heure habituelle, 18h30, suivi d'un deuxième à 19h10. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, TF1 a fait savoir que ce sera la même chose le lendemain, jeudi 8 décembre 2022. Pour les mêmes raisons, pas de match de la Coupe du Monde, donc deux épisodes de la série diffusés. D'ailleurs, alors que la compétition sportive touche à sa fin, et qu'il y a donc de moins en moins de matchs, la programmation pour le moins atypique de la série devrait se reproduire à de nombreuses reprises. En effet, la chaîne a également prévu une double dose d'épisodes pour les lundis 12 décembre, jeudi 15 et vendredi 16, avec les mêmes horaires. De nombreux rebondissements dans Ici Tout Commence dans les prochains épisodes, les téléspectateurs devraient suivre les répercussions de la séparation entre Greff et Elliot. De plus, il a été annoncé que Vic, Lou Lalgairi, Billy et Samia allaient prendre tous les risques en utilisant le cercle pour réussir leur évaluation dans le cours de Louis. Seulement, ce dernier va se douter de quelque chose.